Oh, bonjour, ici Jacob Alfaro. Aujourd'hui, on va vous parler de l'écoquartier de Amarbi Sajad. Si vous vous demandez c'est quoi un écoquartier, ben, un écoquartier, c'est soit un groupe de bâtiments ou un lieu ou qui essaie de préserver l'environnement et économiser l'énergie pour le bien de la planète. L'écoquartier Amarbi Sajad se situe en Suède. Il a été créé pour les Olympiques en 2004, mais sa candidature a été annulée suite à plusieurs erreurs. Puis il y avait aussi un manque d'espace. Il y a à peu près 30 000 visiteurs qui visitent cette place par année. Puis en fin 2017, il devrait y avoir à peu près 25 000 habitants qui vont habiter là. Et le total peut être de 26 000, fait que c'est quand même beaucoup. À peu près 80 % des rotations actuelles du travail jusqu'au domicile sont effectuées en transport en commun ou en vélo. Il y a aussi des groupes sociaux, des institutions qui s'occupent des flottes de véhicules. C'est là où les gens peuvent se passer des véhicules ou les louer pour éviter de plus en plus la pollution. Ajouter plusieurs panneaux solaires pour économiser l'énergie et prendre l'énergie renouvelable. Même qu'ils ont arrangé la grandeur des bâtiments pour que tout le monde puisse l'utiliser. Il y a un système de récupération des déchets qui aide à éviter la pollution et les odeurs. Tu as juste besoin de mettre tes déchets dehors dans un genre de tube qui va aspirer tes déchets et va les emmener vers un centre qui vont récupérer tout ce qu'ils peuvent. Ils préconisent aussi les aliments bio dans les magasins, donc c'est juste des petits magasins. Fait que c'est plus difficile de trouver un emploi, mais eux autres, ils pensent que ça aide beaucoup la planète. Il y a aussi des centres communautaires et sportifs pour attirer les gens et pour que les gens s'amusent, comme des patinoires, des terrains de soccer, de basket, ou même des pistes cyclables. Wow! Mais la vie là-bas pour les habitants est plus difficile parce qu'il y a un manque d'hôpital puis de centres communautaires, des choses comme ça qui vont les aider dans leur vie future. Puis si admettons il y a une blessure tout ça, il faut qu'ils se rendent plus loin ou qu'ils prennent un bateau pour aller à l'hôpital le plus vite. Donc merci de votre écoute et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Merci à tous, au revoir!